Ça fait beaucoup de cartes quand même tout ça, non? Tu trouves pas? T'es parti? Je prends son bisou pour Jungle. Bien joué, bon là-dessus. Salut à tous, c'est Jam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo opening Yugi. Et cette fois, on va ouvrir ceci, les ors maximum, du coup. Bien évidemment, j'ai pris trois boîtes. Hop, une, deux. Je montre parce que sinon on pourrait croire que je lève trois fois la même. Trois. Donc on va s'ouvrir ça et puis en espérant avoir un bon tirage, bien évidemment. À l'intérieur, vous avez donc quatre boosters. À l'intérieur de ces quatre boosters, vous avez cinq rares avec le titre en or, dont cinq gold rares et deux cartes gold premium. Qu'est-ce que les gold premium? C'est, je trouve, l'une des plus belles raretés de ces dernières années. Les nouvelles cartes Gold Premium, je les trouve juste magnifiques en fait. Allez, on est parti du coup. Nous avons 12 boosters à ouvrir. On recherche pas mal de choses. Bon, access code, si je l'ai, c'est cool, ce sera pour la revente ou pour l'échange parce que, évidemment, eh ben, j'ai déjà le mien. Mais il y a plein de cartes que j'aimerais avoir. Si j'avais un booster comme ça, c'est nickel. Sinon, il y avait 4 ouvertes parfaitement. Ça va, il est bien ouvert. 4 ouverts parfaitement. Et on va tout de suite regarder les golds qu'on a. Hommage torrentiel. Bon, ça, c'est pas spécialement une carte qui m'intéresse parce que je l'avais déjà en secret. Et danger Nessie. J'en avais pas. Donc en vrai, c'est cool. C'est vraiment plaisant. Histoire de. Babouska, bonne carte. Les farces gamins, c'est pas mal. Vive la Terre d'Or qui sort en rare. C'est aussi une bonne carte. Ça fait des rééditions plutôt agréables. Dans cette extension, vous avez encore Edlige d'ailleurs, qui est dans un nouvel artwork. Numéro C1000, numéro Nius. Alors, regardez-moi cette carte. 5 monstres de niveau 12. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, détruisez un autre monstre sur le terrain à la fin de la battle phase, détruisez autant d'autres monstres de terrain que possible, minimum 1. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière de votre adversaire sur votre terre en plus de défense. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle a du matériel et est envoyée à votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un numéro IC1000, numéro Nius, numéro Nia, depuis votre extra deck. Si vous le faites, attachez-lui cette carte comme matériel. Et la deuxième, c'est. En Genesis, super. Un double. Le problème de cette fin d'année, en fait, c'est qu'il y a tellement de bonnes rééditions qu'on se retrouve à avoir plein de fois les mêmes cartes, mais dans des raretés différentes, à peu d'intervalles de sortie. On avait vu ça avec Voie Turbo Vitesse Roid dans mon opening. Numéro IC1000, numéro Nius, numéro Nia, qui va du coup avec l'autre. Alors, 5 monstres de niveau 13. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a une condition d'invocation spéciale sur l'autre. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet de numéro C1000, numéro Nius, elle gagne 100 000 d'attaque défense durant le tour de votre adversaire uniquement. Et aussi, appliquez les effets suivants au début du prochain tour, après que cette carte a été invoquée spécialement. Alors, premier point, les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer cette carte si possible. À la fin du tour de votre adversaire, si cette carte n'a pas combattu, vous gagnez le duel. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque. Et si vous le faites, gagnez des LP égaux à l'attaque du monstre. Quand on a cette carte sur le terrain, on a gagné en fait. Faut la sortir par contre. Et enfin, Chasse Sauveteur. Ah, j'aimerais bien avoir l'autre artwork. Il a un second artwork, il est trop mignon. Je l'ai eu, parce que j'en ai pris un, mais je voulais pas en prendre trop dans le doute où j'allais en avoir d'autres. Fusion ou l'ancien, j'avais pas que ça existait ça. Gardien de la Terre d'Or. Et Miaou Miaou Mu, farce gamin. Hop. Alors, et nous avons une magie. Il s'agit de Surnalixir de l'éveil noir. Exodia l'interdit. Vraiment super comme l'eau. Alors, je vous avouerai que pour l'instant, je suis assez déçu de mon ouverture. Bon, j'ai ouvert qu'une boîte, il m'en reste encore deux. Allez, on va garder espoir. C'est pas fait, peut-être qu'on va avoir de la chance et que le karma va nous aider. Tempête numéro. Ouh.
Lina, familier possédé. Clairement pas ce que je voulais. Et enfin, du first gamma. Oh, moi j'ai eu du first gamma, hein, c'est cool. Hein. Maintenant que l'archétype il s'est mangé une banne, c'est cool quand même d'en avoir maintenant. Allez, où toi? Bah, en vrai, pour l'instant, mon meilleur drop, enfin le drop qui me plaît le plus, ça reste Hommage Torrentiel. Alors, Mine Mystique. Super. Et. Ah, ça c'est cool, Plasma Héros de la Destinée. J'en avais plus, et je les voulais bien dans cet artwork. Même si je préfère l'artwork original, le fait d'avoir des plasmas aussi jolis, ça fait plaisir. Et enfin, Cizeta, Vive la Terre d'Or, Dragonier Reine, Hospitalité, et Chevalier Kagemusha. Non, franchement, en vrai, le plasma c'est cool. Je suis content. Allez, Karma, s'il te plaît là. J'ai l'impression que ma carte est explosée d'entrée, quoi. Ce serait cool d'être gentil. Alors. Numéro 6000, super, on l'a déjà. Ouh, trop bien. Non, mais vraiment, par contre, sérieux. Ça en fait 3, là. Putain. Je suis désolé, mais ça me fout les boules, quoi. Je m'en fous d'en avoir 3 de cette carte. Ouais, forcément, hein, je paye mon karma, hein. On chope une ghost, et derrière on tombe seul, quoi. Conquistador de la Terre d'Or, super. Ah, ça, par contre, ça, c'est cool. Surnalish, le Seigneur d'Or, mais dans son autre artwork. Regardez comment il est assis, comment il est à la cool, là. Ça, c'est cool. Non, ça c'était cool, par contre. Bébé, c'est Rosor en rare, trop mignon. Et Wakero en rare aussi. Ça va, je passe d'un booster explosé à un booster plutôt bien. Allez. Attention. Formation du feu Tenki, ça aussi, super, j'en avais déjà 3. Oviraptor Manjam, super, le deck dinosaure est mort. Moi, je chope du farce gamin, on peut pas dire que j'en chope pas. Hein. Allez, retourne. Ah, il veut pas. Il n'accepte pas de rompre. Oups. Bon, on va l'ouvrir différemment. Il accepte pas. Ah, bon, lui, il est explosé celui-ci. Ah, je sais. Il a dû être difficile à ouvrir parce qu'il contient des bonnes cartes. Regardez. La bonne carte qu'il contient. Je la vois pas. Place Force Gamin, ça va. J'en avais pas. Et. Lina, familier possédé. Ouais, on peut pas dire que ce soit le tirage de l'année. Hein. Pandémonium, parfait. Hein. Dragon attaquant, j'en avais. Sur Elixir, c'est cool. Je suis limite plus satisfait de mon tirage de rare que de mon tirage de gold. Allez, une dinguerie. Je t'en suis. Mekaba, j'en avais plus. Ça me va. C'est cool. Allez, encore un. Ultime booster. Bah en fait, au début, je me suis dit, je vais pas commander toutes les golds que je veux, à l'unité, j'entends. On va attendre de faire son ouverture pour voir, parce que ça se trouve, tu auras des trucs de ouf, et que tu auras quasiment rien besoin de commander, hein. Ouais, heureusement que j'ai commandé. Enfin, heureusement que je vais commander, du coup. Regeki, c'est cool, par contre, ça, c'est cool. Franchement, je suis bien content d'avoir Regeki. Et enfin... Dragon sombre, métallique aux yeux rouges, j'en avais pas, donc je suis content aussi. Voilà, ça, c'était un bon booster, par exemple. Lui, c'était vraiment un bon booster. Ah, la fameuse fusion qui ne sert à rien. El Dorado Adelantado. Voilà. Donc, petit récapitulatif. Donc, des cartes que nous avons ouvertes ici. Eh bien, pas grand-chose. Hein. On a eu une Lina en double. Une place farce gamin. Un Oviraptor. Du coup, il m'en manque deux. C'est le problème quand on a les cartes x1, en fait. Formation feu
Tenki, conquistador de la Terre d'Or. Saucisse, pareil, j'en ai eu qu'une. Dans Genesis, on va pas en parler, hein, mais il y en a eu 3. Numéro News, il y en a eu 2. Mine Mystique, une seule. Voilà, donc. Voilà l'INA, du coup. Tempête Numéro. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu la tête d'Exodia. Sur un Elixir de l'Ébène Noire. Un chat sauveteur, artwork original. Un numéro IC 1000, numéro News, numéro Nior. Bon, moi j'ai eu les deux. Dans Genesis, x2. Numéro News, x2. Et dans Genesis, pour le x3. Voilà. Regardez. Wouhou! Vraiment. Je n'en avais pas en fait. Donc, moi j'ai un playset. Voilà. Sur ce, eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Et puis, eh ben, bonne fin de journée à vous. À bientôt. C'était Jav. Je vous laisse. Au revoir.